Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo création du mois précédent. Une vidéo qui a failli ne pas vous avoir lieu parce que figurez-vous que je n'ai rien foutu au mois de novembre. Donc je triche un petit peu parce que là dans cette vidéo là il y a des créations que j'ai commencé début décembre. C'est pour ça aussi que cette vidéo elle a été très longue à arriver et que aussi que je me suis fait très discrète sur les réseaux sociaux parce que j'en ai pas brûlé une fois. Je me la suis coulée douce. Oh, de temps en temps ça fait du bien. J'ai pas eu trop le choix, tu me diras. Mais ça, c'est une autre histoire. Bon, j'ai changé de décor. Les gars de chantier sont enfin partis, donc je peux enfin filmer dans mon salon. Du coup, j'en ai profité pour tout chambouler. Donc, bah voilà, il y a un nouveau. On s'en fout. Oh, vas-y, je vais pas commencer à faire du blabla pour rien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Tiens, oui, j'ai encore plein de choses à vous dire. Bon, en ce qui concerne la proposition d'échange, elle est toujours d'actualité, mais vu que là, en ce moment, il y a les fêtes de fin d'année, on va reculer ça à l'année prochaine, hein? Vous m'en voulez pas, hein? Mais bon, là, en ce moment, voilà. On a autre chose à faire que ce genre de choses. Voilà. Et je voulais aussi vous parler des petites cartes. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé. Des cartes que je fais moi-même. Des cartes toutes simples, toutes basiques que je vous envoie à vous directement. Parce que je trouve que c'est plus sympa que des vidéos comme ça interposées. C'est là des vidéos, voilà, c'est virtuel. Alors que si je vous envoie une petite carte faite par mes petites mimines, ben ça devient un petit peu plus réel. Moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa, c'est beau, ça me rapproche un peu plus de vous et vice versa quoi, parce qu'il y en a, il y a certaines personnes qui me répondent aussi à mes petites cartes donc ça fait énormément plaisir, mais ça c'est loin d'être une obligation. Donc on me pose souvent la question, c'est gratuit, je vous demande rien du tout en échange, je vous envoie juste une petite carte, toute simple, hein, vraiment sans chichi, sans rien du tout, parce que je suis pas une experte dans ce domaine là, c'est juste pour vous envoyer un petit mot. Voilà, surtout que si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, moi je vous envoie ça gratuitement, je demande rien du tout en retour, vous êtes même pas obligé de me répondre, hein, mais alors pas du tout, hein. Juste pour me dire j'ai reçu ta petite carte, merci, c'est gentil, et puis bah voilà, basta, on n'en parle plus. Comme je vous dis, là j'ai rien foutu au mois de novembre, j'ai fait que 3 créations il me semble, dont Monsieur Carl Fredrickson que vous avez vu en speed modeling, enfin si vous l'avez vu, parce que vous n'avez pas l'air d'intéresser grand monde. Et ouais, donc dans les autres créations que je vais vous montrer, bah date du mois de décembre. Je triche un peu. Donc c'est pareil pour... là, vu qu'il y a les fêtes de fin d'année, je vais pas refaire de création tout de suite. Donc du coup, je sais pas si je vais vous faire une autre vidéo comme ça pour les créations du mois de décembre. Sachant qu'il y en a déjà dans cette vidéo-là. Comprendra qui pourra. Hein, si vous m'avez suivi, vous êtes trop fort. je sais même plus où j'en étais. Pichoune. Mais oui, ma fille. Qu'est-ce que je suis en train de m'arracher non plus. Mais fille. Oh là 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 là! Oui, toi t'es une deuxième fifi. Viens faire des câlins à ma fausse mémère. Ouais, je mets pas sur mon voix du coup. Bon, je filme toujours avec mon téléphone parce que mon caméscope il fait toujours autant de bruit et mon chéri n'arrive pas à le réparer. Donc je vais commencer à économiser un petit peu pour m'en racheter une nouvelle caméra parce que là sinon c'est pas possible. Et avec mon réflexe, au bout de 5 minutes, pouf, ça coupe. Vous fait chier, hein, tant pis, je le fais avec mon téléphone. Hein. Voilà, tant pis, voilà, tant pis, voilà. Voilà, je pars en cacahuète, moi c'est plus possible. Bon, j'avais d'autres trucs à dire, mais encore une fois, j'oublie. Faut que je pense à noter ce que j'ai à vous dire, parce qu'à chaque fois, après, j'oublie. J'ai une tête en l'air, c'est dingue. Du coup, ouais, je suis très en retard sur mes vidéos, forcément. Hein. Là, j'ai un DIY à vous faire. Enfin, il n'y en a pas que un, c'est une vidéo regroupant plusieurs DIY sur ma déco Noël. Alors là, j'ai tout enlevé pour tout camoufler parce que je voulais pas que vous voyiez avant d'avoir la vidéo, sinon ça aurait été c'était plus une surprise. Mais voilà, oui, j'ai une vidéo DIY où je vous montre ma déco Noël que j'ai fabriquée moi-même. Voilà. Et vers la fin du mois, tu me diras, on est déjà à la fin du mois. On est au milieu là. J'ai une vidéo tuto que je vais vous montrer juste après aussi. Ou que je vous montre tout de suite, comme ça on n'en parle plus, on commence les créations maintenant. Allez go! Avec le pull, ça n'a pas claqué. Donc, là, le tuto que je vous ai fait, c'est celui-ci, ce petit collier-là. Parce que, en fait, pour vous expliquer, c'est bientôt Noël, et ma fille voulait que je fasse un collier à sa maîtresse. Donc du coup, j'ai fait celui-ci. Bon là, il n'est pas tout à fait fini, il faut que je me rajoute une couche de résine dessus, parce que vu que c'est de l'encre alcool, faut le protéger quand même. Donc du coup, je vais mettre une couche de résine, mais voilà pour le moment ce que ça donne. Et dans le même délire, avec la technique de l'Hidden Magic, tout en bleu et noir.
forcément bleu et noir. Voilà. Avec ce qui me restait, j'ai fait celui-là. Donc là c'est pareil, je pense que je vais mettre une couche de résine aussi sur cela pour que ça donne plus de feuillance. C'est plus rigolo. Voilà. Ensuite, bah, on a le fameux Carl Fredrickson. Donc si vous l'avez toujours pas vu en tuto, allez le voir, c'était la vidéo juste d'avant, si je dis pas de conneries. C'est avant ou encore celle d'avant? Oh je sais plus, j'ai un doute là. Enfin bref, dans tout le cas, le tuto est fait, donc allez voir. Hein. Bon alors maintenant, j'ai bien compris que ici, sur cette chaîne-là, les speed modeling ne vous intéressaient pas, donc je ne veux pas vous emmerder avec ça, je vais arrêter les speed modeling. Ils sont chiants les chiens aujourd'hui, hein. Je vous les réserve sur l'autre chaîne, la chaîne spécialement dédiée aux tutos. Donc du coup, de temps en temps, il y aura des tutos normal à ma façon, et des tutos version speed modeling. Mais arrêtez! Depuis qu'il y a le sapin, ils sont plus bisés, quoi. Pardon, excusez-moi. Ensuite, il y a cette petite fée qui est endormie sur sa lune avec un effet dans le fond galaxie, entre guillemets, avec du Kernex. Bon, ça fait pas vraiment galaxie, mais bon. J'ai un peu trop estompé, du coup, les couleurs se sont toutes mélangées, puis ça fait plus l'effet que ça faisait. Mais bref, voilà. Avec la lune phosphorescente, bien évidemment. Hein, tant qu'à faire. Ah, pareil, donc ça c'était aussi le au mois de novembre. Voilà, le Carl Fredrickson, la petite fille sur sa lune. Et mon dragon, ça fait une éternité que j'avais pas fait de dragon. Donc là j'ai fait celui-ci sur une petite pierre en résine que j'avais réalisée il y a très longtemps. Je savais pas quoi en faire, ben voilà, j'ai trouvé. J'ai fait un petit dragon sur une pierre en résine. Avec les ailes en fimo liquide. Je l'aime beaucoup. Depuis le temps que ça faisait énormément de temps que j'en avais pas fait de dragon. Et je l'aime beaucoup. Ces petits yeux, c'est avec des strass, mais on a du mal à les voir parce que j'ai fait vraiment des grosses paupières. Ensuite, les deux suivantes, c'est très loin, mais alors, très très loin d'être mes chouchoutes. Très loin même, j'ai voulu tester. On va voir ce que ça va donner. Donc j'ai fait une petite chibi sur le thème de l'hiver avec son petit pull col roulé, ses bottes fourrées et un bonnet sur la tête. Sauf que son bonnet, bah, je trouve que ça ressemble plutôt à un chapeau de sorcière en fait. Et le deuxième, bah, j'ai essayé de faire un petit mec pour changer. Voilà, avec sa chemise, son jean et sa veste, bon, soit sa veste en cuir ou soit sa veste de tailleur, c'est comme on veut. Mais ces deux-là, je vais les démonter. De toute façon, j'ai laissé la chaîne classique parce qu'ils sont tellement moches. Je l'aime pas du tout. Et je l'ai fait tellement fin, cette petite chibi-là, que bah, c'est très fragile, quoi, finalement. Donc, voilà. Ils sont foireux, de chez foireux. Et tant pis. Ah, bah voilà, moi j'assume, hein, je montre mes trucs cratés aussi. Ensuite, voilà. La prochaine, c'est pareil, je suis pas spécialement fan. J'ai essayé de faire une petite fée de l'automne. Ses ailes sont en effet feuille. Et bah, les couleurs, c'est pareil, c'était censé être l'automne, mais hein, là ça me fait plutôt penser à des flammes. Tu vois, celle-là, je suis pas. Les couleurs que j'ai choisies pour faire l'automne à l'origine, bah, ça fait pas automne. Je suis pas tellement fan. Non, pas tellement. Ensuite, là, la seule et unique petite sirène. Hein, on met de temps en temps des petites sirènes, parce que les petites fées, tout le temps les petites fées, hein, on change un petit peu. Une seule sirène. Et c'est pareil, j'ai fait sa queue de poisson là, en forme de feuille, avec un effet feuille. C'est pour ça que j'ai rajouté des petites feuilles en bas puis sur la chaîne, pour faire le rappel de sa queue feuille. Sa queue feuille. C'est bizarre. Et puis bah voilà. Ensuite, une que j'aime beaucoup, mis à part la couleur, parce que c'est pas du tout ma couleur, mais j'aime bien le principe. J'ai fait une petite fée sur sa balançoire. Balançoire, belle, belle, belle histoire. Tu voles tout là-haut, parmi les oiseaux. Oh 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 oh. J'ai la voix qui est partie en cacahuète. C'est un conte que je chantais à ma fille quand elle était bébé. Bref. Ouais, une petite fée sur sa balançoire. Un rose violet parme, un mix de tout ça. Mais j'aime bien le principe en fait, je trouve ça rigolo. Mais je galère à la faire elle.
ça tenait pas, ça arrêtait pas de se péter la gueule. C'était fatigant. Là, c'est pareil, j'ai voulu délirer. D'habitude, c'est pas mon truc, là. Ouais, on change de d'habitude et on essaye ça, on verra bien ce que ça donne. Une petite fée, encore, assise sur un cupcake. C'est rigolo. Ça change, hein, non? Ouais, j'ai voulu essayer. Une mini fée sur son cupcake. Voilà, une petite fée assise sur son cupcake. Voilà. Je vous ai déjà de le dire, mais à chaque fois vous voyez des petites fleurs lucides un peu partout, à droite à gauche, hein. Faut pas changer d'habitude, hein. Voilà. Ensuite, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière, pardon, excusez-moi. Pareil, c'est une... j'adore le principe. En fait, j'ai voulu changer de tout ce qu'on voit d'habitude. Et j'ai voulu faire des trucs assez originaux, si on peut dire, hein. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Donc là, j'ai fait une petite fée assise, endormie. Oh, non, elle est pas endormie. Elle est assise, tranquille. Hop, relax. Sur un petit livre, un petit grimoire. Et au dos du grimoire, je sais pas si vous allez réussir à lire, mais en fait j'avais marqué Into the Wood. Et sur la tranche, j'ai marqué Book parce que grimoire c'était beaucoup trop long. Voilà, avec un effet nature. La petite fée assise sur le livre où il y a marqué Fairy World. Excusez-moi pour l'accent. Et la petite dernière, une de mes chouchoutes, c'est une petite fée qui s'est endormie sur un nuage. Donc là, moi ça me fait penser à plein de choses. Notamment, on aimerait tous être cette petite fée qui s'envole sur les nuages pour aller rejoindre nos amis, nos familles qui sont partis trop vite et qu'on aimerait bien revoir justement au moment de Noël où c'est le plus important, quoi. Donc c'est un peu... c'est émotif. On va pas craquer devant vous, hein, c'est pas le moment. On garde le sourire. Mais voilà, c'est une petite fée sur un nuage. Avec des petites pains en forme de goutte d'eau. Je trouve ça trop mignon. C'est féerique, donc c'est magique, c'est magnifique. Mais en même temps, c'est un nuage pluvieux, donc c'est triste aussi, quoi. C'est un mélange de tout plein de sentiments, quoi. Puis pour une fois, je me suis pas trop mal démerdée pour ma petite fée, elle est pas trop mal celle-là encore. Je suis assez contente, ça va. Voilà. Et il y avait 3 autres créations qu'on va faire vite flash, hein. J'ai un petit marque-page comme ça avec une tuile remplie de pissenlits. Tout classique, tout simple, mais que je trouve très joli. Et pour changer de toujours les mêmes bijoux, toujours les mêmes colliers et tout le tralala, j'ai voulu faire des broches. Donc là, il y en a une avec la rose de la Belle et la Bête. Façon Belle et la Bête. Et la deuxième, c'est avec mon mini papillon en résine que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. C'est un mini papillon en résine sur un champignon et toujours dans une fiole. J'aime bien accrocher des fioles sur des broches, je trouve ça sympa. Voilà. Et ça, je crois que j'avais fait ça au mois de novembre aussi, il me semble. Donc j'en avais pas fait que 3, j'en avais fait 6 au total, mais bon, ça... Et les 3 derniers que je viens de vous montrer, ça compte un peu pour du beurre. Il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Quelle idée de faire les vidéos le soir. Regarde-moi ça, on voit même plus le soleil. J'espère que vous me voyez encore, du coup, j'en sais rien. J'ai pas le retour de la vidéo, donc je ne sais pas du tout. Mais je sais même pas si j'étais cadrée en plus. Tant pis, hein, on fera avec. Quel con ce chat. Bouge tes fesses. Bouge tes fesses, mon petit chat.
Mais t'es fatiguant, mais t'es chiant. Mais oui, tu veux passer à la télé aussi, toi? Hein, petit bébé? Et il y a d'autres créations que je peux pas vous montrer pour l'instant parce qu'en fait je suis en train de réaliser un swap avec une très talentueuse polymériste, donc je vous en parlerai au moment venu, mais pour l'instant je peux pas vous montrer ce que j'ai fait parce que sinon on aura un peu la surprise et puis c'est pas rigolo quoi. C'est surprise! Alors je préviens tout de suite, je ne ferai pas de swap avec tout le monde parce qu'on en a déjà proposé pas mal, mais je peux pas le faire avec tout le monde et surtout pas avec des personnes que je ne connais pas. Et encore moins avec des personnes que je n'apprécie pas. Voilà. Donc non, les swaps je peux pas en faire avec tout le monde, c'est pas possible. Mais ouais. Donc bref, voilà, j'ai fini. Trop de blabla, tu blabla, hein. Pff, on me changera pas maintenant, c'est foutu. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des tutos en tête, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça sera avec grand plaisir, même si je suis très longue à la détente, hein. Maintenant vous le savez, hein. Et puis bah, c'est tout. Je sais que j'ai oublié des choses et ça m'énerve. Là, je me souviens pas. Ah, ça m'énerve. Je me dépêche. Faya, tais-toi. Chut, 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 chut. Chut. Jessie. Donc, c'est pas grave. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye.